Je crois que je peux voir le camp. Ok, t'es prêt? Attends, attends. Une seconde. Trois mois et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais attendez, on s'est... Non, non. Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça? Non, non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, non, c'est pas la peine, t'inquiète. Je suis entouré de traîtres et d'idiots! Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon? Vas-y. Déployez-vous! Fouillez le périmètre! Go! Allez! C'est parti! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici. Attention, mate. On dirait qu'ils ont laissé quelques sentinelles derrière. Ok, garçon, c'est l'heure du feu d'artifice. Je n'en fais pas assez pour cette merde. Oh, la ferme, j'en ai marre de ces plaintes. Ok, à plus. Oh, ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Sully. Tu verrais ses dossiers. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... depuis le XVIIe siècle. Et le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et c'est censé avoir un sens? Je sais pas. Attends, ça continue. C'est avec grand-peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin, un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver? Shambhala. Là, à Bornéo? Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas? Il cherche à retrouver les traces de Marco Polo, direct, jusqu'à Shambhala. Quoi?
Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends? Attends. Oui, je suis là. Au cours de toute leur recherche, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles? Non, maintenant que j'y pense, rien du tout. Pourquoi? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas ça louche? Où est-ce qu'ils sont passés? Vous iriez où en cas de tsunami? Le plus haut possible. Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Bon sang. Ils sont morts! Oh, merde! Dispersion! Bouge pas, Yama. Je te cours. Oh non. Grenade. S'approche de moi. Prenez ça.
C'est compris, Sully. Ça doit être par là. Oh, Sully. Regarde ces pierres. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Hé, hey, regarde ça. Oh ouais. Salut. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On devrait peut-être vérifier. Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Par en bas. Waouh, on dirait qu'on a décroché le gros lot. Ah, oh, il doit y avoir des centaines de corps ici. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Merde, ils sont tous comme ça. Oh hey, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici. Quoi? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. Encore de la résine. C'est pas la première fois. Sully, la lumière. Waouh. Attends une minute. C'est du sang. Il y en a partout. On dirait un vrai massacre. Ok. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. On dirait qu'elle s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore là. Je crois que je me suis blessé. La piste conduit ici. Oh merde, encore des cadavres. Oh mon Dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Waouh. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Attention. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas me faire faire une crise cardiaque. Waouh. Waouh, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit
que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça ? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement ? Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit, c'est au Népal. Ouais, sauf que ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Faut qu'on y aille. Je vais m'assurer que la voie est libre. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Par là ! Ah, bon sang. Allez ! Harry ! Par ici ! Ils doivent pas se tirer ! C'est Drake ! Mais qu'est-ce que c'est ? Les mains en l'air ! Tu sais vraiment les choisir. La ferme, Sully. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi, ce vieux Victor Sullivan, tu trimbales encore ce sac à merde avec toi ? Tout nous, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux ? C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non ? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole ? Y a une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Oh. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes, entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue. Merde. Tu vas bien ? Ouais, bah, comme ça sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Fais chier, ils nous ont repérés. On court. Attention. Quoi ? Merci pour le coup de main. Tu vas arrêter un peu de planter. Viens, allons-y. Le laissez pas filer. Par là. Ah, oh, et merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le saut de la mort. Attends 2 secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler ? On va se briser le cou, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Les gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok ? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, hey, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là ! Oh, merde. Bon, on y va ? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin ! Yaha ! Oh, merde !
fait chier. Quand tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais. Bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Nate ? Allô ? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère. J'y vois ? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte ? Ouais. Je te retrouve au vieux marché. C'est assez calme là-bas. Ok, compris. Je l'accompagne. Oh, génial. Tu peux les semer ? J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. Allez. Nate, tout va bien ? Je connais mieux. Merde. Vieux marché. Et ça doit être par là. Trouvez-le ! Putain. Allez, allez, allez ! Oh, il est quelque part par là. Gardez l'œil ouvert. Tirez dans le feu ! Éloignez-les ! Ah ! Faites-le sortir ! Grenade ! Ok. Maintenant, on doit juste trouver Chloé. Belle manœuvre. Ah.
Super. Cherchez partout. Thank you.
dirait que je suis toujours là pour te sauver la mise. Ouais, mais c'est une belle mise à sauver. Ah. Ah. Oh, ce ne serait pas une ancienne dague rituelle tibétaine que je sens dans ta poche? Peut-être parce que je suis content de te voir. Fais gaffe! Alors c'est ça, la fameuse clé? Effectivement. Le passeport de Marco Polo pour Shambhala. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah! J'en sais rien, à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est que Lazarevitch n'ira pas très loin sans elle. À ta place, je le sous-estimerais pas. Flynn et lui sont en train de mettre la ville sans dessus dessous. Ils détruisent tous les temples les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nate? Je déteste quand tu fais ça. Regarde ça. Est-ce que tu vois ce symbole? Ouais. Regarde là-haut. Ok, je vois la ressemblance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait comment Marco Polo a trouvé le prochain indice. Le temple qu'on recherche va porter la marque de cet emblème. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le trouver. Je sais pas si tu as intégré le fait qu'il y a des centaines de temples dans toute la ville. Oui, mais si on pouvait prendre de la hauteur pour observer... On pourra repérer notre aiguille dans le tas de foin. C'est ça. Il y a un hôtel pas très loin d'ici. Chloé, c'est pas le moment idéal. C'est de loin le plus haut bâtiment de tout le secteur. Ouais. Oh ouais, bon, ok, c'est bien vu. Suis-moi. Ok. Ça va pas. C'est verrouillé. Attends-moi ici, je vais voir si je peux trouver un passage. Je vois l'hôtel d'ici. Ouais, je sais, on y est presque. Ils sont quelque part par là! Nate, ouvre la porte. Je l'ai perdu! C'est bon.
On recule ! Nate, ouvre la porte ! Bon, je crois que tu t'en sors bien tout seul. Ah, ça pourrait être utile. Sympa. Faudrait que tu me portes. Je crois que je peux atteindre l'échelle. Dommage que tu doives t'asseoir sur un truc aussi joli. On y est ! Viens pas me dire que je fais rien pour toi. Allez, par ici. Quand... C'est bon. C'est quand tu veux. Je vais pas me prendre une écharpe. C'était chevaleresque. La galanterie est pas morte. Suffit de monter. On dirait que c'est mal barré pour la résistance. Ça va être coton. Tu crois ? Ouais, on devrait peut-être aller à l'hôtel par un autre chemin, pour éviter d'affronter tous ces gars. Excuse, mais tu vas pas te servir de cette grenade ? Si, figure-toi. Je vais les contourner par là et interrompre leur petite fête. T'es sûr d'oublier personne ? C'est là que t'interviens, chérie. Tu dois te charger de ce type. Mais fais-le en silence. Fais-le en silence. T'es sûr de ton coup ? À situation désespérée. Mais c'est une blague ! Ok, à plus. Ça y est. Oh!
des renforts. Ah, merde ! Reculez ! Quel type il a engagé ? Ouais, je crois que c'était le dernier. Voilà l'hôtel. Maintenant, faut qu'on arrive à grimper. Hey. Quoi ? Par ici. Viens voir un peu ça, une échelle de secours. Je crois que c'est le seul moyen. Allez, soulève-moi. C'est parti. C'est bon. C'est bon ? Ouais. Faut grimper. Parfait. Bon, RAS. Y a pas une autre entrée ? Pas d'ici. Ah!
Vraiment très utile. C'est bon, j'y suis. Oh merde. C'est désagréable. Ça doit venir du générateur. Aide-moi un peu. Encore un peu. Nate, bouge. Ça bouge pas. Je dois rétablir le courant pour sortir de là. Est-ce que ça va aller? Ouais, j'aurais dû apporter un peu de lecture. On dirait que le coupe-circuit est au dernier étage. Bouge pas, je vais m'en occuper. Cool. Plus de jus et une fille est piégée. Bon sang, si jamais un zombie déboule au prochain tournant...
Nate? Tu m'as quand même pas oublié, hein? C'est bon. Super. On y est presque, allez. Elle y est. Oh, je crois que ça te plaît un peu trop. Hey, regarde ça, Marco. Vraiment? Hey, comme un poisson hors de l'eau. Quel manque de professionnalisme. Bon, par là. Encore de l'escalade. Ouais, c'est toujours la même chose. Bien, on est arrivé. Bon, il ne reste plus qu'à trouver le bon temple. Ouais, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je sais, m'en parle pas. Peut-être qu'on pourrait... Oh, bingo. Le voilà. C'est celui-là. Ouais, forcément. Le temple qui se trouve installé au milieu des coups de feu et des explosions. On a de la chance. Nate, c'est là où Lazarevitch a son camp. J'espérais qu'on se dirigerait plutôt vers la direction opposée. Eh bien, à situation désespérée... Drake a été repéré dans le secteur 18. Ah, formidable. Tu crois qu'on a une chance d'être dans le secteur 19? Retournez la ville, trouvez-le et descendez-le. Ils rigolent pas, l'enfoiré. Ok, il est temps de partir. Hey Nate, faut y aller! Bon sang, mais comment on va passer? Oh, attention. Oh merde. Je suis là, Drake. Donne-moi la main. Vas-y. Je suis derrière toi. Go. Ah. Oh. Ah. Faisait un gros câlin.
Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ça sent pas bon. Oh merde ! Ça t'effondre ! Oh merde ! Wow ! On a failli y rester. Par là, allez. Je crois que c'est la basse saison dans cet hôtel, non ? Allez. Attention là ! Un pont ? Cool ! Ouais, vraiment. Les troupes de la Résistance ont mis ça pour passer entre les toits. Ah, on a du bol. Ils sont là ! Yeah. Nate, attention! Wow! Steve est vraiment buté! À l'abri!
Chérie, abaisse le pont. Hé, hey, ce câble, par ici la sortie. Go, go! C'est bon, ça va. Oh, merde! Tout va bien? Ah, ça fait trop mal. Je vais trouver un moyen de descendre. Parfait. Pas. Hey, Nate, mais qu'est-ce que tu fiches là? Elena, Jeff, non. Attends, tu connais ce type? Ouais. Lui, c'est Drake. Oh. Désolé. Alors, qu'est-ce que tu fais dans cet endroit, hein? Tu vas piller deux ou trois temples, dévaliser le musée? Content de te voir aussi. J'imagine que t'es ici pour une noble cause, hein? En fait, on poursuit un criminel de guerre en cavale. Zoran Lazarevitch, ça te dit quelque chose? Et l'OTAN, il fait quoi? Pour tout te dire, il pense qu'il est mort. Mort dans un raid aérien. Ah, et t'es là pour prouver le contraire. Tu sais quoi? Ce type est vraiment un monstre, Nate. On parle de torture, de mutilation, d'exécution massive. Mais tu vois, maintenant, ils préparent autre chose. Mais pourquoi ici? Pourquoi détruire toute la ville comme ça? Ça rime à rien. Oh. Non. Non, ne me dis pas que t'as quelque chose à voir avec ça. N'importe quoi. Ah, t'es là, Nate. Je crois que je les ai semés. Oh, tout va bien, Chloé. Ce sont des journalistes. Ah. Bon. Il faut qu'on avance, si on veut garder une longueur d'avance sur Lazarevitch. Alors, Oh, je rêve, Nate. Et attends, c'est pas ce que tu crois, Elena. pardon, mais y aurait pas un petit passif, là? Oh, Elena Fisher. Le modèle de l'an dernier. C'est mignon. Ouais. Non. Je suis content que tu trouves ça drôle. Bah, c'est juste que je t'aurais jamais imaginé avec un cul pincé fadasse. Elle est bien plus coriace qu'elle en a l'air. Merci. Oh. Oh quoi? Elle t'a brisé le cœur. Oh, arrête. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est peut-être moi qui ai brisé le sien. Oh oui, Casanova. Faut qu'on avance maintenant. Attends, ils viennent avec nous. T'es pas sérieux?
Si, je le suis. Je peux pas les laisser planter là, au milieu de ce bordel. Mais ils vont nous ralentir. Et si Chloé... on se fait prendre... Si Lazarevitch nous capture, toi et moi, ensemble... Je les laisserai pas tomber. Tu n'es pas obligé de toujours jouer les héros, tu sais. Nate. On danse toujours avec celui qui vous a amené au bal. Ouais, j'ai compris. Mais ils viennent quand même. On n'a pas besoin d'aide, Nate. Tu vois? Tu vas peut-être changer d'avis. Merde. Courez!